Bonjour et bienvenue à ce 23e épisode de Lightroom avec du Photoshop dedans. On va prendre cette photo, on va essayer d'en faire un noir et blanc. Alors, ce qui me gênait à la prise de vue, c'est cette affiche-là. Donc, je me suis dit qu'on allait la virer et j'ai remarqué ensuite par la suite, j'ai pas fait très attention ici. Ça superpose un peu la tête et le fond. Donc, on va essayer de décaler un peu le fond vers la gauche et reconstituer quelque chose pour que la tête soit pas superpositionnée à cette petite zone ici. Ça, on va le faire sur Photoshop parce que là, Lightroom, ça va pas être possible. Et puis ensuite, on reviendra dans Lightroom pour terminer le noir et blanc. Donc, je vais prendre cette photo. Là, elle est de base, hein, réinitialisée, voilà. Et je vais modifier dans Photoshop. Donc, ici, dans Photoshop, je vais d'abord m'occuper de l'affiche. Donc là, c'est assez simple. On va prendre à nouveau l'outil de sélection rapide. Ça, vous le connaissez bien maintenant. On va mettre un peu plus gros et on va sélectionner ici la zone qui nous intéresse par là, voilà, comme ça. On va aller voir, on va zoomer un peu pour voir qu'il fasse correctement les parties ici. Ok, donc on va prendre aussi la partie qui est là, éventuellement un peu plus au bord là. Voilà, là il est pas mal. Là-haut, on va en retirer un peu, juste un peu comme ça. On va rajouter la partie cadre bois. Alors là, j'en ai mis trop. Donc j'appuie sur Alt pour retirer les parties qui ne m'intéressent pas comme d'habitude. Voilà. Donc là, on est bien. Là, j'ai appuyé sur Alt pour retirer un peu de la manche. Sur la main, on est pas mal. Et là, sur le reste, on est pas mal. Donc là, on a fait notre sélection. On va améliorer le contour, c'est-à-dire qu'on va rentrer un peu dans la statue. Donc en décalage du contour, on va aller un peu vers le plus. Vous voyez, pour rentrer un peu à l'intérieur de la statue. On voit qu'il a sélectionné là-haut, mais bon, c'est pas bien grave. Vous allez voir, on va appliquer une méthode différente que d'habitude. Lissage, on va lisser un peu. Voilà, 5 pixels. Et contour progressif, mais alors très très peu. Voilà, pour que le bord soit pas. Un pixel, ça devrait aller pour que le bord ici soit pas trop net. Ok, donc on a fait ça, on a là une zone qui est sélectionnée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va simplement mettre du fond à l'intérieur et on va simplement utiliser le tampon de duplication puisque là on a plein de zones disponibles. Hein. On va aller la recopier là. Et en fait, lorsque vous utilisez le tampon de duplication et qu'il y a une zone sélectionnée, le tampon de duplication ne s'applique que sur la zone sélectionnée. Donc là, par exemple, j'ai pris la zone là qui est au centre, qui correspond à la zone qui est au centre là. Donc je vais me mettre là, voilà, à peu près dans ces coins-là. Et là, vous allez simplement avec le tampon de duplication passer dedans, et vous voyez que Photoshop s'arrête aux zones qui sont sélectionnées. Donc vous pouvez vraiment y aller à la grosse. Hein. On va prendre ici une taille plus grande. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, et vous pouvez y aller. Photoshop s'arrêtera aux zones sélectionnées. Et comme c'est de la zone, c'est du blanc avec un peu de structure, mais comme c'est au fond, c'est de la structure un peu floue. J'aurais tendance à dire que tout ça, n'est pas bien grave. Alors vous voyez, il y a des différences qu'on va résoudre après avec l'outil pièce, hein, parce que il y aura quand même des choses à faire. Il y aura des frontières qui ne seront pas forcément bonnes. Mais on va faire ça assez rapidement. L'avantage là, c'est qu'on peut dépasser. Ça se fait très vite. Donc voilà, j'ai effacé mon image. Il me restera encore la petite partie là à l'intérieur. On appliquera à peu près le même système. Je vais arrêter la sélection. D'accord? Et donc là, on voit qu'il y a des zones qui sont visibles, hein, toutes les zones frontières. Donc pour ça, on a comme d'habitude l'outil pièce. Donc vous prenez simplement les zones ici où on voit de la frontière et vous allez vous mettre dans une zone où il n'y a pas de frontière. Voilà. Et donc l'outil pièce va reproduire la structure en gardant plus ou moins les couleurs. On va se mettre là.
voyez, et là on retrouve bien les structures dans le mur, donc ça fait quelque chose qui est tout à fait naturel. Et au niveau de la manche, comme on avait fait un lissage et un petit contour progressif, on est dans des choses qui sont tout à fait naturelles aussi. Il nous reste encore la partie ici à régler. Voilà. Voilà, on la met là, puis là j'ai peut-être une zone un peu plus sombre. Hop, quelque chose comme ça. Ok. Donc là, j'ai retiré. Alors j'ai peut-être ici où c'est visible encore. Parce que là j'ai des espèces de coulures, mais qui ne sont pas forcément homogènes avec le reste. Donc je vais aller prendre une zone sans coulure. Voilà, comme ça sera très bien. Il me reste la petite zone à l'intérieur. Donc la petite zone à l'intérieur, c'est relativement simple. On va faire exactement de la même manière. À part que là, on va, pardon, prendre un pinceau qui est plus petit. Voilà. On va aller sélectionner la zone ici à l'intérieur. Alors j'appuie sur Alt pour remettre les parties qui m'intéressent. Voilà. On a fait quelque chose comme ça. Donc là, je suis bien sélectionné, très bien. Je prends mon template pour duplication. Je prends par exemple la zone qui est là. Je viens simplement peindre là. Voilà, j'ai fini. Donc ça, c'est intéressant quand on a des zones sélectionnées. Le tampon de duplication ne va agir que sur la zone sélectionnée. Contrôle D pour désélectionner. Contrôle moins pour en voir un peu plus. Maintenant, je veux m'occuper également de tout ce qui est chaîne ici. Donc là, ça va être du tampon de duplication, mais complet du début à la fin. Et mon petit mégot, il y en a un, c'est pas la peine qu'il y en ait deux. J'aurais même tendance à dire que celui-là, on va le virer aussi. Voilà. Alors maintenant, j'ai dit, ce qui me gênait, c'est la partie en haut, là. Et donc pour ça, on va sélectionner la partie qui nous intéresse. Donc la partie qui nous intéresse, c'est celle-là, celle-là. On se rapproche là. Là, je vais rentrer à l'intérieur parce que je veux pas sélectionner son superbe chapeau. Ah, quelque chose comme ça, comme ça, comme ça. Ok, ça on a fini. Je fais calque par copier. Ici. Et donc cette partie-là, je veux la décaler. D'accord? Donc il faut respecter ici le bord. Je veux la décaler pour qu'elle ne soit pas superposée à son petit chapeau. Là, c'est pas mal. Ok, donc maintenant il faut aller, j'irai rendre ça un peu plus propre, hein, parce qu'on n'a pas, on n'a pas fini. Donc, ce que je vais faire ici, comme c'était superposé, il me manque forcément ici un rond, le bord, sur le bord, là. Donc ça, ce que je peux faire, c'est que je peux aller sélectionner une zone, par exemple celle-là. Donc là, je suis sur la partie que je viens de décaler, d'accord? Ok. Ça, je fais un calque par copier. Ça, je le bouge. D'accord. Et je vais ensuite le tourner. Édition, transformation, rotation. Et donc là, comme ça, je vais recréer. C'est beaucoup trop. Je vais recréer comme ça quelque chose qui va rejoindre l'autre. J'aurais tendance à dire que je suis presque pas mal. Là. Ça, je vais dupliquer ce calque-là. Ok, je vais le ramener là. Je vais faire édition, transformation, rotation. Ok, ah, c'est un peu moins. Voilà. Et donc, vous voyez que là, j'ai recréé cette ligne ici.
Là. Alors ensuite, j'ai la ligne là qui est pas bonne, qui m'intéresse pas. Mais là, j'aurais tendance à dire que je vais retourner sur le calque d'en dessous. Je vais simplement prendre un tampon de duplication. D'accord? Et je vais simplement passer sur les zones qui m'embêtent avec le tampon de duplication. D'accord? Voilà. Je peux passer même, j'irai dessus, là, puisque ça se trouve au-dessus. Donc c'est pas gênant, si vous voulez. Alors toujours, hein, je prends des zones qui sont proches pour que je me retrouve avec des structures qui soient équivalentes. Donc il me reste encore le petit bout ici. Donc je vais réduire la taille. Voilà. Maintenant, je vais fusionner tout ça. Fusionner les calques. Et avec l'outil pièce, je vais aller régler les derniers petits détails. Puisque vous voyez, là, on voit une espèce de petite séparation. D'accord? Donc, on va simplement prendre cette séparation là, comme ça. On va aller le mettre dans une zone où il y a moins de structure. Voilà. Et on arrive comme ça à régler les différentes choses. Là, ici, il m'a mis un. Voilà, mais écoutez, on est pas mal, donc on a décalé la tête. Donc là-haut, on n'est pas bon, mais c'est pas grave puisqu'on va recadrer après. Donc on va revenir dans Lightroom, hein, on va enregistrer ça. Voilà, on est dans Lightroom, on va terminer. Donc ici, en recadrant, on va simplement régler le problème ici du haut, d'accord? Là, il y a un petit bout de plaque, je vais recadrer aussi comme ça. Il doit nous rester 10 secondes pour faire un noir et blanc. On va passer en noir et blanc. On va vérifier d'abord qu'on ait des blancs, mais je sais qu'on en a qui sont là. Les noirs, on en a pas mal aussi. Je vais rajouter un peu de clarté. Je vais mettre un peu de vignettage ici sur la photo. Je vais mettre des noirs qui sont un peu plus puissants et je vais monter un peu les ombres pour que le personnage ressorte mieux. Et ici, je vais monter quand même les blancs pour que le mur derrière soit un peu plus blanc. Allez, peut-être encore un petit coup de contraste, mais pas trop. Je monte un peu les ombres comme ça. Et on va mettre un peu le contraste comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de voir quand même le avant-après de ce qu'on avait fait. Donc, je vous rappelle avant, voilà, c'est celle-là. Donc, avant, on avait une affiche. On avait ici la tête qui touchait le bord. Puis, on avait cette affiche qui était là. Et donc le après, vous voyez qu'on a décalé toute cette partie-là et qu'on a également retiré tout ce qui est chaîne et qu'on a retiré tout ce qui est affiche. Ça fait quelque chose d'un peu plus épuré. J'espère que ça vous a plu. Au revoir.